Ces deux mendiants, un dimanche, à la sortie de la messe, dans une église, ils sont sur le parvis. Il y en a un qui a une grosse croix autour du cou, et l'autre, à côté, il a une calotte sur la tête et une étoile de David, une grosse barbe. Et tous les deux sont mendiants, ils font la manche à la sortie de la messe. Alors, naturellement, les fidèles qui sortent de la messe donnent un petit sou, beaucoup d'argent au mendiant qui a la croix autour du cou, et ils donnent rien au juif avec son étoile et sa barbe et sa kippa sur la tête. Puis le curé qui assiste à ça est un petit peu surpris, il va vers les deux mendiants, il s'adresse au mendiant juif, il dit: écoutez, mon cher ami, je suis vraiment désolé que vous n'ayez rien eu, mais vraiment, vous ne pouvez pas trop être surpris. Je veux dire que venir un dimanche matin à la sortie de la messe avec votre kippa si visible et votre ami là à côté, ou peut-être que vous vous connaissez ou pas, qui lui est visiblement un catholique, c'est normal que ça soit lui qui est tout, quoi. Si je peux me permettre, continue le curé, on m'a toujours dit que vous, les juifs, vous aviez plutôt le sens des affaires. Alors le mendiant juif se tourne vers l'autre, il dit: tu entends, Moshe? Il dit qu'on n'a pas le sens des affaires.